Ouverture ce matin à Yamoussoukro du 44e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Face à la menace de la propagation de la fièvre d'Ebola, les autorités ivoiriennes ont interdit la consommation de viande issue de petits rongeurs. La mesure est-elle respectée? Le constat de la rédaction dans cette édition. La tension monte d'un cran en Turquie. Après le blocage de Twitter, le gouvernement coordonne celui du site de partage YouTube. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Ouverture ce matin du 44e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. La situation en Guinée-Bissau et au Mali au menu. Il s'agit du dernier sommet présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara, par ailleurs et pour quelques heures encore, président en exercice de l'institution sous-régionale. Ce matin, à l'ouverture du sommet à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, l'heure était au bilan. Le président Alassane Ouattara s'est réjoui des progrès réalisés durant ses deux mandats successifs. Les crises maliennes et bissao-guinéennes qui fragilisaient la stabilité de la sous-région ont pu être circonscrites. Des progrès certes, cependant de nombreux défis attendent la CEDEAO, notamment la criminalité transnationale, le terrorisme et la piraterie maritime. On le sait, la CEDEAO a demandé aujourd'hui l'appui de la communauté internationale pour lutter contre la fièvre de l'Ebola en Afrique de l'Ouest. Lutte contre la pauvreté, le projet Un congélateur, un jeune sera bientôt mis en œuvre par l'ONG dénommé Programme de réinsertion jeune. Il devrait permettre à terme la création de 500 emplois dans le secteur informel. En attendant, présentation du projet au ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs, Olapade Déborah et Mamadou Kouassi. L'ONG Programme de réinsertion jeune lance le projet Un jeune, un congélateur. C'est un projet d'accompagnement informel. L'ONG qui bénéficie de l'appui d'une microfinance de la place a mis à la disposition des femmes, des personnes déscolarisées ou sans emploi, 150 kits composés d'un congélateur, d'une glacière et d'un régulateur de tension. L'objectif de l'ONG est de leur venir en aide en leur permettant de créer une activité génératrice de revenus. On a suivi les bénéficiaires, on a suivi les activités qui mènent le projet rentable. L'initiative est saluée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs, qui entend aider l'ONG dans ses actions. Ils ont déjà fourni 150 équipements kits à des jeunes. Ils sont prêts pour en fournir 500, mais il y a encore des besoins plus grands que tout cela. À travers le Fonds national de la jeunesse, on peut facilement aider à la mise en place de ce genre d'opération. L'ONG Programme de réinsertion jeunesse et partenaires économiques ont en vue d'autres projets, notamment l'implantation d'une usine de montage de pièces détachées en Côte d'Ivoire, afin d'assurer le renouvellement d'éventuels congélateurs endommagés. Leur ambition est affichée, créer plus d'emplois en Côte d'Ivoire. L'ONG Programme de réinsertion jeune compte sillonner les différentes communes du district d'Abidjan à partir du mois d'avril pour distribuer 500 kits, composés entre autres d'un congélateur et d'une glacière. Les étudiants en droit à l'école des marchés publics, au cours d'une formation au CERAP, ces étudiants en Master 1 ont pu s'imprégner du rôle d'une cellule juridique au sein des petites et moyennes entreprises, ainsi que sur les procédures d'appel d'offres. PME face au défi des marchés publics, c'est le thème qui a réuni les étudiants de la promotion Master 1 droit public de l'université Félix Houphouët-Boigny. Cette rencontre pour s'approprier les procédures d'appel d'offres et de gestion des affaires juridiques. Les orateurs ont essentiellement planché sur le rôle des juristes, entre autres dans la passation des marchés publics et l'amélioration du monde des affaires. De 44 requêtes transmises à l'ouverture du tribunal du commerce en 2012, l'on est passé en deux mois à 153 requêtes. Tous conviennent donc que les entreprises privées ou publiques ont besoin de juristes pour les aider. Pour le représentant du ministre en charge du budget, les marchés publics constituent un facteur essentiel dans l'exécution du budget de l'État. L'efficacité dans l'exécution de ces marchés réside dans le délai, un délai de 322 jours. C'est pourquoi il invite les professionnels des marchés publics à jouer pleinement leur rôle pour la croissance économique. Les marchés publics représentent 9% du budget ivoirien. On renforce ses capacités, mais on s'organise également au niveau syndical. Une nouvelle fédération a vu le jour, la FEDER, Fédération des élèves et étudiants pour le renouveau, affiche ses ambitions. La force des idées plutôt que la violence, Eve Boué et Franck Quadio. Le syndicalisme à l'université,
Une nécessité selon nombre d'observateurs, car ces associations militent en général pour l'amélioration des conditions de vie et d'études des élèves et étudiants. Malgré cela, les universités et les écoles continuent d'être minées par les problèmes récurrents d'ordre académique et social. Pour plus d'efficacité donc, quatre syndicats fusionnent. De cette union naît la FEDER, Fédération des élèves et étudiants pour le renouveau. Notre objectif, c'est de rompre avec le passé, dont la violence. Nous avons préconisé le dialogue en proposant aux autorités pour l'amélioration de nos conditions de vie et d'études. Nous mettrons tout en œuvre pour ne plus qu'il y ait de violence. Parce que nous savons les efforts que les autorités font pour que nous ayons à l'école dans de bonnes conditions. Nous voyons cette belle université n'est pas bien devenue créer un climat de violence. Le plus important, c'est d'aller à l'école. Cette fédération d'élèves et d'étudiants a rempli toutes les conditions de création selon les autorités universitaires. Toutes les activités de nos étudiants sont suivies par nos services. À partir de ce moment, il faut être répertorié sur le fichier du CRO pour qu'on sache qui sont nos interlocuteurs. Donc on a dit à toutes les associations de venir avec le récépissé, créer l'association, le récépissé du ministère de l'Intérieur, ensuite le PV de la création des membres du bureau exécutif, la liste des membres du bureau, les UFR et les numéros de téléphone. À partir de ce moment, nous pouvons échanger. Depuis la réouverture des universités, 175 associations et syndicats animent la vie associative sur les campus. Une vingtaine seulement est légalement constituée. On rappelle que la CDAO est réunie à Yamoussoukro pour son 44e sommet ordinaire. La CDAO qui a demandé aujourd'hui l'appui de la communauté internationale pour lutter contre la fièvre de l'Ebola en Afrique de l'Ouest, signalée en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Cette fièvre hémorragique, contagieuse et mortelle a causé au total le décès de plus de 70 personnes. Justement, en Côte d'Ivoire, où pour l'heure aucun cas n'a été détecté, les autorités sont en état d'alerte sanitaire. La consigne est claire, ne pas manger ni manipuler la viande issue de petits rongeurs, notamment l'agouti et le porc épic. La mesure est-elle respectée dans les maquis et sur les marchés? La réponse avec Doigt des Lasers. Yopougon Siporex. Le petit marché de viande de ce quartier est totalement vide ce vendredi 28 mars. Ce marché qui approvisionnait toute la commune de Yopougon en gibier et chair de petits rongeurs, communément appelé viande de brousse, présente un décor inhabituel. L'interdiction de la commercialisation et de la consommation de la chair de petits rongeurs par les autorités sanitaires comme mesure de prévention contre la maladie Ebola en Côte d'Ivoire est difficilement vécue par les commerçantes et les consommateurs. Il y a un enfant, il n'est pas marié. Il y a 8 maisons, il y a payé de l'eau, il y a payé courant. Donc c'est quoi, il y a mal. Rien qui est brûlé là-bas, quelle maladie qui est tu sais, lui là-bas, puis on ne pas bien. Aujourd'hui, on a de la viande, on ne sait pas comment il faut faire. C'est l'argent des femmes. Il y a des gens, on a déjà livré dans les maquis. Les gens ont pris, ils ne nous ont pas donné de l'argent. Et du coup, on attend, on dit, il ne faut pas, ils vont manger la viande des brousses. De Yopougon à Ndotré, dans la commune d'Abobo, le décor est identique. Il est 12h, heure du déjeuner. Les restaurants sont complètement vides. Suite à la décision du gouvernement de ne plus manger les rongeurs, oh, ces maquis qui sont ici, c'est à cause de la viande de brousse que les gens viennent manger. Donc, c'est poisson qu'on a préparé, mais tout est déposé là-bas, personne ne vient manger. 4 jours après l'annonce de la maladie Ebola en Guinée, pays frontalier de la Côte d'Ivoire, les mesures de prévention semblent être respectées par commerçants et consommateurs, malgré quelques murmures. Autre sujet à présent, de plus en plus de personnes pourront être formées à l'usage de l'outil informatique. L'Association mondiale pour le bien-être des enfants vient de recevoir un logiciel. Ce don effectué par une entreprise privée permettra à l'association qui œuvre dans le domaine de l'insertion sociale de renforcer ses actions de formation dans le domaine des TIC. Des logiciels d'une valeur de 50 millions de francs CFA remis à l'ONG AMBE, Association mondiale pour le bien-être des enfants, ce qui va permettre à cette organisation de renforcer ses activités, notamment la formation des enfants, des jeunes et des femmes à l'usage de l'outil informatique. Pour que la Côte d'Ivoire devienne un pays émergent à l'horizon 2020, il faudrait bien que toutes les populations s'approprient l'outil informatique et sachent ce que c'est un ordinateur, sache ce que c'est un logiciel. Ce don va nous permettre d'être plus efficaces. Nous allons montrer, aux enseignants et aussi aux apprenants, les enfants comme les jeunes,
qu'aujourd'hui, il ne suffit pas seulement de suivre les cours normalement, mais il faut savoir se servir de l'outil qui est important, qui est l'ordinateur. Notre souhait est que le maximum d'Ivoiriens, d'Africains puissent bénéficier de ce genre de dons. L'ONG Ambe est une structure qui œuvre dans le domaine de la formation et l'insertion sociale des jeunes et des femmes, et également à la scolarisation des enfants. En bref, cette nouvelle flambée de violence en Centrafrique, dans la nuit de jeudi à vendredi, une attaque contre une veillée funèbre chrétienne a fait au moins 20 morts. Et puis à 2 jours des élections municipales, la tension est montée d'un cran en Turquie. Le gouvernement vient d'interdire l'accès à YouTube. À l'origine de la décision, un enregistrement d'une conversation classée top secret, diffusée sur les réseaux sociaux. Dernier meeting de campagne avant les élections municipales de dimanche. Des meetings sous haute tension. Le débat politique se radicalise en Turquie. Après avoir coupé Twitter, le Premier ministre vient d'ordonner la fermeture de YouTube, la plateforme de partage sur laquelle circulait l'enregistrement d'une réunion confidentielle. Réunion qui évoquait une intervention militaire en Syrie. De fureur, Recep Tayyip Erdogan en perd sa voix. Il y a une réunion au ministère des Affaires étrangères sur la Syrie et notre sécurité nationale. Ils l'ont mis sur YouTube. C'est ignoble. C'est immoral. Le Premier ministre vise un ancien allié, Fethullah Gulen, installé aux États-Unis. Ce prédicateur musulman organiserait les fuites sur Internet, notamment celles qui accusent depuis 3 mois Erdogan et ses proches de corruption. Le gouvernement fait front. C'est une déclaration de guerre envers la Turquie et le gouvernement turc. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ça. Après 12 ans de pouvoir, Recep Tayyip Erdogan reste l'homme politique le plus populaire du pays. Mais des voix s'élèvent désormais pour dénoncer son autoritarisme croissant. L'an dernier, un grand mouvement populaire s'était soldé par 8 morts, 8 000 blessés et 5 000 arrestations. Je me demande jusqu'où ils iront pour limiter notre liberté. D'abord Twitter, maintenant YouTube, ce sera quoi ensuite Facebook? Jusqu'où iront-ils et quand est-ce que ça s'arrêtera? J'espère qu'ils prendront des décisions raisonnables, mais avec ce gouvernement, ce n'est jamais arrivé. Les municipales de dimanche ont donc valeur de test. L'AKP, le parti d'Erdogan, devrait l'emporter, mais sans son avance habituelle, l'opposition pourrait même prendre la capitale, Ankara. En bref, l'annonce de la candidature du maréchal Sisi à la présidentielle en Égypte suscite des réactions diverses. Une manifestation de personnes hostiles à sa candidature a dégénéré aujourd'hui. Une journaliste a été tuée au cours de la manifestation. Barack Obama en Arabie Saoudite, c'est la deuxième visite du président des États-Unis dans ce pays depuis son élection en 2008. Riyad est traditionnellement un allié de Washington, mais ces derniers mois, les relations entre les deux parties n'étaient pas au beau fixe. Le roi Abdallah d'Arabie Saoudite a désigné son demi-frère Mokren Ben Abdelaziz, prochain prince héritier. Âgé de 69 ans, l'ancien responsable des renseignements saoudiens voit l'accession au trône ouverte en cas de vacance du pouvoir. L'actuel prince héritier et ministre de la Défense, Salman, âgé de 79 ans, est malade et pourrait décider de ne plus prétendre au trône. L'ex-président ukrainien Viktor Yanukovych appelle à un référendum dans chaque région d'Ukraine. Pour lui, pas question d'attendre l'élection présidentielle prévue le 25 mai. Chaque région devrait avant cela déterminer son statut, comme la Crimée vient de le faire. Le chef de la mission du FMI pour l'Ukraine a confirmé une aide de 18 milliards de dollars à Kiev. L'Union européenne et la Banque mondiale apporteront également leur contribution pour éviter un défaut sur la dette et sauver l'économie de l'asphyxie. En échange, le Parlement a accepté un plan drastique d'économie, gel du salaire des fonctionnaires et dévaluation de la monnaie. Kiev, privé de l'aide russe, se dit prêt à des sacrifices pour assurer son indépendance, avec une hausse annoncée de 50% du prix du gaz à partir du mois de mai. C'est ici que l'on s'arrête pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.